Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène en Belgique pour découvrir ma délicieuse recette de spéculoos en forme de Saint-Nicolas. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, mais avant ça je voulais vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche des notifications pour être certain de ne manquer aucune de mes vidéos. Et de rester jusqu'à la fin pour découvrir ma recette de samedi. C'est parti! Pour cette recette, préparez 750 g de farine, 7,5 g de levure chimique, 7,5 g de cannelle, 5 g de mélange 4 épices et 2,5 g de sel. Pesez ensuite 300 g de beurre tempéré, 100 ml de lait, 375 g de cassonade brune, 125 g de sucre et un œuf. Préparez aussi un moule en bois, une cuve de batteur ainsi que le bras adéquat, un rouleau à pâtisserie, une plaque de cuisson et un papier cuisson. Commencez par mélanger le beurre à la cassonade et au sucre. Ajoutez ensuite les épices et le sel. Incorporez ensuite l'œuf et laissez mélanger. Ajoutez ensuite le lait. Une fois bien mélangé, terminez par le mélange farine et levure chimique. Ne donnez pas de corps à la pâte, c'est-à-dire d'arrêter de mélanger quand tout est bien incorporé. N'hésitez pas à corner les bords afin de mélanger le tout correctement. Enlevez ensuite la pâte du batteur. Filmez-la et réservez-la au frais pendant une petite heure. Une fois cette étape terminée, farinez votre moule et étalez votre pâte à l'intérieur de celui-ci en appuyant assez bien pour former les reliefs du moule. Aidez-vous d'un rouleau à pâtisserie et enlevez l'excédent de pâte qui dépasse. Démoulez ensuite sur une plaque de cuisson et répétez l'opération pour remplir votre plaque. Vous pouvez aussi étaler votre pâte sur une épaisseur de 2 mm et de couper des rectangles si vous ne possédez pas de moule. Dorez-les ensuite avec un peu de lait et cuisez-les à 200 degrés jusqu'à ce que la pâte colore un peu. Laissez-les ensuite refroidir et utilisez-les pour vos préparations de pâtisserie ou simplement pour déjeuner le matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire exploser le compteur des pouces bleus, à commenter et à partager la vidéo pour que je sois mieux référencé sur YouTube. La vidéo de samedi sera encore une recette belge, les cougnous ou cougnoles, une brioche très fabriquée en fin d'année en Belgique. Je vous dis à samedi et je vous souhaite à tous une bonne Saint-Nicolas.